allocution de M. Manuel Valls, Premier ministre. La France, et c'est son honneur, est toujours du côté des victimes. Et les victimes, vous l'avez rappelé aussi aujourd'hui, ce sont également les chrétiens d'Orient. Là encore, nous devons nommer les choses, établir la vérité. Les chrétiens d'Orient, c'est le cas aussi d'autres minorités, sont en train d'être éradiqués dans cette région à travers ce terrorisme effrayant. Le négationnisme est un crime. Le négationnisme trop présent aujourd'hui dans notre pays, dans la littérature de basse œuvre, dans les réseaux sociaux, doit être combattu. Et la République, l'État, doivent le combattre avec la plus grande détermination. Car il ne s'agit pas d'une opinion, nier un génocide et nier un crime, c'est un délit et doit être condamné et poursuivi par la loi de la République. Les Arméniens ont été décimés, victimes d'un crime de masse. Et la première responsabilité, la première exigence morale, c'est de regarder ce crime en face et de l'appeler, comme vous l'avez fait, Madame le maire, par son nom. Ce crime, oui, c'était un génocide. C'est ce que la France a reconnu. Et ça fait du bon au cœur, c'est pour avoir une reconnaissance et marcher pour tout le peuple qui a été massacré. J'ai de la proche famille, deuxième génération de mes grands-parents qui ont subi le massacre des Arméniens en Turquie sous l'Empire ottoman. Moi, j'étais réellement touchée parce que la France nous a toujours soutenus dans cette cause depuis la reconnaissance du génocide en 2001. Et c'est vrai qu'on est fiers d'être arméniens de France aujourd'hui. Personne ne me l'a montré.